c'est Maxus59 et on se retrouve pour les prédictions des grosses affiches pour le SBC qui va sortir donc le jeudi. Vérification, j'ai même pas fait gaffe à date, le jeudi 18, c'est ça? Le jeudi 18, donc voilà, on a quelques matchs à aller voir. Les sélections nationales, c'est terminé, on retourne aux versions club, donc voilà. J'ai pas trop de matchs, ce coup-ci on va voir que deux équipes d'habitude, je vous propose trois équipes de joueurs, là maintenant il n'y en a plus que deux. Donc on va commencer avec un petit derby de Milan, tout simplement, hein. L'AC Milan contre l'Inter de Milan, donc. Bon, moi j'ai acheté du Valero, du Brozovic, du Musacchio et du Laxalt. Hein, c'est une rencontre qui va y être, à mon avis. Il y a 99% de chances qu'elle y soit, celle-là. Deuxième rencontre, gros choc au niveau de l'Angleterre. On a Chelsea qui accueille United. C'est toujours des matchs bien tendus avec un Mourinho qui est un peu sur la sellette en ce moment. C'est un peu compliqué. Donc, perso, j'ai pris Andreas Pereira, Romero, Loftus-Cheek et Van Ginkel, par exemple. Ça peut être une idée. Après, si vous avez déjà des joueurs, évidemment, n'allez pas acheter ceux-là. Vous en avez déjà pas forcément besoin d'aller les racheter. Du côté de la France, nous avons en Ligue 1 un petit duel entre l'OM. Donc, j'ai acheté Lopez-Germain contre Nice. Donc, voilà, derby du Sud. Je sais plus le nom du derby, mais en tout cas, c'est un derby. Donc, Dante, Lesmelou, Germain et Lopez, par exemple. Ensuite, du côté de la MLS, nous avons Toronto FC contre l'Impact Montréal, donc du coup il y a du Jackson Hamel, du Silva, du Bradley, du Victor Vasquez. Ouais, j'ai essayé de choper des joueurs hors tout simplement. Pour finir sur cette équipe-là, je crois qu'on a en Pologne un derby entre Wisla Cracovie, donc Kort et Bacha, contre le Legia Varsovie, donc Cafu et Carlitos. Voilà, tout simplement un petit derby de Varsovie des familles. Donc voilà, il y a vraiment moyen que ça tombe aussi. Ils aiment bien les championnats dits exotiques. Et bah écoutez, pour l'instant, il répond pas mal aux critères. Je vais en avoir un deuxième à vous proposer. Tout simplement, ça va être du côté de. J'enchaîne sur les championnats exotiques. De l'Australie, où nous avons Melbourne City qui joue contre Melbourne Victory. Donc voilà, petit derby de Melbourne. On retrouve l'ancien Toivonen qui était en Ligue 1, Keisuke Honda, Najar, du coup, et Najarin. Voilà, bah, du coup, les mecs, il est juste in en plus, quoi. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, et dernier match aussi en BPL, même si a priori ça risque d'être Chelsea United. Il y a un petit derby de Londres, c'est-à-dire nous avons Tottenham, donc j'ai acheté Janssen et Llorente, contre West Ham, donc Lucas Perez et Wilshere. Voilà, petit investissement qui tombera éventuellement. Donc, comme on a pu voir hein, sur les derniers grosses affiches, pas forcément besoin de prendre deux joueurs de chaque, je vous en propose quand même deux de chaque, mais à chaque fois finalement c'est un joueur de tel club ou deux joueurs de tel ou tel club, donc il n'y a pas forcément besoin d'en acheter deux à chaque fois. Après vous faites vraiment comme vous voulez, et à vous de voir si vous souhaitez investir beaucoup de crédit ou pas, mais en fait les joueurs prennent pas beaucoup de prix je trouve cette année, et ça va être plus intéressant d'investir sur les rencontres de première ligue. Bref, bon bah voilà les gars, c'était Maxus59, je vous dis à très très vite, portez-vous bien et like and sub.